toujours quand Darko se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Ça va péter. Ah, vous allez fuir. C'est comme ça donc que le massacre commence. Je veux commencer par ma vie sentimentale. On y va. J'ai eu des relations qui m'ont marqué. Certains qui m'ont déçu. Ah bon? J'ai Tchami, encore appelé Fingon Tralala, ou Papa Nakigali. Je fais cette vidéo, moi je te parle directement. Autrement, attends, je ne suis pas lâche. Je ne parle pas, je ne code pas, je ne parle pas comme Jésus parlait à l'époque, comme il parlait à son époque. Ah bon, hein? Canal d'or, ne dort pas. C'est-à-dire? La dernière relation que j'ai eue, le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, c'est ma fille. C'est grave. Fingon, attends, tu parles de ma mère. Tu dis comment. Tu dis que j'avais trop de problèmes. Mais j'ai dû mettre fin à cette relation parce que la mère en question, tu ne sais réellement ce qu'elle veut de sa vie. Comment? Comment ça? Moi, je comprends rien. Que tu m'as quitté parce que j'avais trop de problèmes. Lesquels? Nous sommes dans un pays où c'est comme la brocante. C'est chacun qui pense qu'il peut dire ce qu'il pense. Ou bien aujourd'hui, parce qu'avec la venue du net, on peut se permettre de dire ou bien de faire. Ou bien de se passer pour ce que on n'est pas en réalité. Attends, j'ai quel problème? Quand personnellement, moi-même, j'ai vu tout ce qui a dû se passer sur le net, j'ai ri. Tu vas en dire que tu parlais à une tétraplégique. J'ai quel problème? Parce que ses problèmes sont comme 80 conteneurs. Et au milieu de ses problèmes, il y a les problèmes de sa mère. Quoi? Hey! Wow! Je sais que ma mère, j'avais tellement de problèmes, ma mère, les problèmes de ma mère. Maman, quel problème? Attends, j'ai quel problème? Mon loyer, si tu l'as payé. C'est où j'ai levé les mains. Parce que quand ça te dépasse, lève les mains. En vrai? Tu l'as payé un jour. Il y a quelque chose dans la maison. Il y a un truc ici que tu as payé dans cette maison. Quand tu es dans une relation dont la personne n'a pas de direction, ça veut dire que tu as aimé quelqu'un, que les pièces sont mal vissées. Moi, dans la facture, tu as payé un truc dans cette maison. Même sur la télé qui s'est cassée deux fois, tu as payé. Même le lit sur lequel j'ai accouché Kigali, que tu allais prendre chaud. Le lit que tu allais prendre, venir déposer ce que tu as acheté. Que je reste relou sur ma pelle en disant, maman me demandant la vidéo de publicité. Je dis, tu parles de quelle vidéo? Que Fingon a dit que tu vas faire la vidéo pour compenser le lit sur lequel ton bébé devait dormir, ton nouveau-né. Donc je suis quitté. Mais néanmoins, je dirais merci pour ce que j'ai pu avoir, ma magnifique fille. Maman, faut pas exagérer, ne suis plus ma mère. Pardon, je n'ai jamais mentionné ta mère. Je n'appelle même pas Kigali, même pas le nom de ta mère. J'ai également eu de bonnes relations, hein, parce que Dieu n'est pas bête. Tu parles de ma famille, tu sais que je n'en ai pas marié. Really? Toutes mes tantes sont mariées. Mais tu as dit oui, ma mère n'est pas mariée, oui. Mais toutes mes tantes sont mariées. Il aurait fallu que tout ce que j'ai pu traverser ou bien j'ai vécu dans ces relations, que je puisse avoir. Sinon, la relation dans laquelle je suis maintenant, Canada, si je te dis, tu vas tomber évanoui. Toutes mes cousines sont mariées sauf moi. Je ne suis pas morte, ma mère n'est pas morte. Et même si je ne me marie pas, il y a quel problème si je ne me marie pas. Je suis en couple que, si je te dis, bon, je vais te parler à l'oreille, ne te dis pas le nom. La vie s'arrête parce qu'on n'est pas marié. Tu as vu quelqu'un aller à la banque retirer l'argent avec l'acte de mariage? Pourquoi tu veux que tu maries un peu, tu parles de ma mère, qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas mariée. Maintenant, je sors avec. Canadori! On te le chèque. On n'est pas mariée, ça fait quoi? Tu es suffis de ça? Mal élevé comme ça. Vous qui êtes ma page, vous dites que oh, tu n'as pas fait ça. Pense à l'enfant. Lui pense à l'enfant qu'il est sur la grand-mère de cet enfant. Tu sais que quoi? Maman, t'as fait quoi? Je m'interroge. Elle a toujours tout fait pour arranger les problèmes. Elle a fait quoi? Tu voulais quoi? Que quand je vais te quitter, toute ma famille manifeste devant le ministère de la famille ou c'est quoi Yaoundé? Si vous m'en sortez, papa, c'est mieux que où j'étais avant. Tu voulais quoi? Que ma famille sorte dans les pancartes, que rentre chez Fingon. Je comprends pas, tu voulais quoi? Attends, j'ai parlé combien de fois de tous les problèmes là? Combien de fois tu es fait asseoir? Et je t'ai dit, la malchance que tu as, c'est que je sais me débrouiller. Et je t'ai dit quelque chose que je ne tolérerai pas. Où j'étais avant, le volant était dans un endroit où moi je croyais que je devais maîtriser.
je suis mieux où je suis là. Ah oui. Toi, tu sais que je suis très difficile. Comme tu dis que je suis la même dans la vraie vie, oui, il y a danser comme une folle et dans la vie privée. Tu sais que je suis difficile. Je t'avais prévenu. Tu pleures quoi maintenant? T'as dit, je suis épargné de l'AVC, je suis épargné de l'arrêt cardiaque, je suis épargné de l'hypertension. Ah oui. Tu pleures quoi sur Facebook? Oh, j'ai quitté. Quand on va les capturer, c'est toi qui m'as quitté. Ah oui, oui. Que Dieu te mal accompagné. Autant mieux être où tu es sûr. Et quand je t'ai quitté, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Là, non, même pas le problème. Qui a quitté qui? Oui, donc, ah, Paul Kagame of my heart. Comme tu connais le nombre d'enfants que j'ai, non? Tu connais le nombre d'enfants que j'ai, non? En tout cas, papa, tu, comme tu dis que tu. Il y avait trop de problèmes. Ma maison que je construis à lundi, tu connais même où c'est. Tu as donné un parpaing là-bas. Je suis au niveau de la dalle. Tu as mis un fer. Je te demande un jour le sable. Tu connais le nombre d'enfants que j'ai, non? Et te les dis que je ne me plais pas. Je laisse. Je laisse. Même si c'est pour Kagame qui parle. Tu sais à quel point il aime. Je laisse tomber. Tu veux que tu es qui en fait? Tu as dit que tu allais me brûler parce que je t'ai quitté, que je me suis mise avec où c'est qui où. Mais pour l'instant, on passe du bon temps, on perd du temps, on se savoure Paris. Je dis, mais, et ceux qui parlent là, attendez, Kigali a 10 mois. Et puis même si la relation s'arrête, je dis que mec, vous vendez. Mon frère, et tu sois live, c'est pas votre vie. Non, non, c'est pas votre vie. Je vis ma vie. Laissez-moi vivre ma vie. Parce que demain, je vais mourir. Regarde, Canada, regarde. Moi, comme je vis, comme vous voyez sur Facebook, que je vis chez moi, je ne stresse pas pour les broutilles. Je ne stresse pas. Et comme je vous dis, quelque chose ne m'arrange pas, que ce soit en amitié ou en amour, non. Je laisse tomber. On ne me tient pas. Parce que je dis, je ne suis pas tétraplégique. J'ai mes deux, peut-être mes deux mains. Pour le moment, on ne sait pas comment on va finir dans la vie. Mais si je peux reconnaître chercher mon argent, on peut me faire chier, putain. Attends, tu racontes quoi? Canada, il aurait fallu que ce qui s'est passé là au Cameroun se passe. Pour que je comprenne beaucoup de choses. Hein. Tu parles de ton Canada, tu fais la vidéo de ton Canada. Mais comme tu veux, comme ta page est monétisée, tu veux avoir les vues, que ça donne l'argent pour jouer ta vie. Même si tu veux faire avec l'argent, tu parles de ma mère. Pardon, easy. Ou pour certaines personnes, ils croient que toi, tu donnes quoi au. Ou bien que quand on te gagne, ça transforme la vie ou ça fait quoi. On ne m'a jamais vu me fâcher sur Internet. Laisse-moi faire moi mes vidéos, je danse. Tu te fâches que oh, j'aimais trop danser. Pourtant, c'est pour chercher mon argent. Pour éviter de t'appeler que ouais, j'attends le dépôt. Comme tu sais que j'ai trop ma fierté. Tu as fait quoi pour moi? Je t'ai eu. Maintenant, après la suite, c'est quoi? Attends, oui, ma boutique que j'ai ouverte là. Ma boutique là, tu as. Attends, même la peinture, tu as payé pour qu'elle mette là-bas. Je t'ai demandé. Je t'ai même pas demandé. J'ai même essayé de faire un modèle. Pour aller. Pour transmettre cette indolence à la première dame, ça n'a pas marché. Tu m'as vu faire les sorties. Je gérais moi ma vie. Tu fais la vidéo. Tu crois que ça me fait quoi? Attends, c'est pour que quelqu'un m'aime. Ah, donc, okay. Donc, papa n'a Kigali. J'ai reçu un appel là, j'ai perdu le fil. S'il te plaît, ne mêle plus ma mère à tes conneries. Arrête de dire que ma mère n'est pas mariée. Pour tous ceux qui sont en couple, ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa était un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorcie, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Ok. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Mangué, à 100 mètres de l'hôtel Mangué. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.